Hello, j'espère que vous allez bien. Le cadrage, désormais, c'est toujours pas ça. Hein. En même temps, vous êtes calé avec une. Sur une patate douce. Du coup, aujourd'hui, je ne devais pas filmer. Normalement, je devais. On est lundi. Il va être presque 14h. Je ne devais pas filmer. Parce que j'ai pas mal de douleurs aujourd'hui. Ça va pas trop. Et je ne peux pas m'empêcher de bouger. Je suis en repos le lundi comme vous savez, donc je travaille pas aujourd'hui. Hier j'ai fait pas mal de choses chez moi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des douleurs. Ce matin j'avais encore des petites choses à faire et tout, là j'ai fini. Et je devais juste arroser mes plantes et faire un petit traitement sur certaines parce que le retour des trips, ça y est, elles sont revenues. On est de nouveau colocataire. Alors, sauf que, comme par hasard, comme à chaque fois que je fais un arrosage, eh ben, il y a toujours des choses à rempoter ou des choses à faire. Alors, du coup, déjà, je voulais vous montrer la Hoya que Stéphanie m'avait envoyée. Alors, Stéphanie savait que je voulais une Hoya Flamingo Dream et elle en avait une à vendre. Du coup, je lui ai acheté, enfin, à la base, comme vous savez, elle voulait qu'on fasse un échange de plantes, mais j'ai pas de plantes à échanger. Donc, je lui ai acheté et... Déjà, elle est juste, mais... Oh, bah oui, ça coule, je viens de l'arroser. Elle est juste déjà trop, trop belle. Et elle est en train de d'évoluer, ça y est. Alors, ici, là-dessus, là, il n'y avait rien. Et là, il y a deux petites pousses qui commencent. Mais là, il y a deux petites pousses ici. Et là, ça commence exactement à faire pareil, juste de l'autre côté. Donc, je pense que ça va se diviser en deux lianes. Et de chaque côté, j'aurai des feuilles. J'ai trop trop hâte. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être un mois que je l'ai. Et ça y est, on a enfin une évolution. Alors en termes de substrat, elle est dans du terreau, perlite, terreau orchidée. Et il y a légèrement de l'osmocote à l'intérieur. Elle est collée à la fenêtre. Mais quand je vous dis collée, la fenêtre est là. La fenêtre est là, la plante est là et elle est collée à la fenêtre. Du coup, elle a du soleil de midi jusqu'à environ 16h en ce moment quand il y a du soleil. Au début, j'avais hésité à la mettre en vitrine. Finalement, je ne l'ai pas mise du tout en vitrine parce que j'avais peur. Mais clairement, pour l'instant, je la laisse dans la cuisine. Vous savez, c'est la meilleure plante, place pour mes plantes. Et à côté, il y a la Australis Lisa qui nous fait toujours des feuilles. Elle est toujours belle, mais voilà, elle n'est pas aussi belle que celle-ci. Voilà. Donc, elle m'avait fait ces deux nouvelles feuilles-là. Elle m'a fait cette nouvelle feuille-là. Et là, d'ailleurs, il y en a une toute petite, vous n'allez rien voir, toute petite ici qui pousse. Et on en a aussi une toute petite ici-là, entre mes deux doigts. J'adore, 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 j'adore. Du coup, voilà, vous savez, j'avais la bouture d'un bégonia nénuphar. Je suis désolée, j'ai mes lunettes, mais j'ai mal aux yeux. Elles sont crades, je vois encore moins avec que sans, tellement elles sont sales. Il va peut-être y avoir les reflets dans mes lunettes, mais là, il faut vraiment que je les mette. J'ai... Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a un léger reflet dans mes lunettes, mais tant pis. Donc voilà, le bégonia nénuphar. Vous savez, ce vase que je ne savais pas quoi mettre dedans. Parce que j'avais dit que je mettrais une bouture et je ne savais pas quoi mettre. Et en fait, ça va trop trop bien avec le... Ça casse en fait le style du vase. Qui est très moderne, un peu graphique, avec de très très belles couleurs. Avec ce style de plante qui est très classique par contre. Est-ce que vous
vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez ou pas? I fleuri. Non mais vraiment, je... C'était une bouture qui était en train de crever en terre et j'arrive à faire fleurir. Alors j'ai rien fait. Clairement, j'ai rien fait. Je l'ai déterré de son substrat terreau classique. J'ai rincé les racines, je l'ai mis dans l'eau, je l'ai collé à la fenêtre. Et puis, eh ben, c'est tout. Et de là, il m'a sorti... Alors, je sais pas, il me semble... Je sais plus, peut-être que celle-ci, elle est sortie ici. J'ai un énorme doute. Mais s'il vous plaît, les fleurs de bégonia, vraiment. Je deviens fan des bégonias. Entre les misères et les bégonias en ce moment, je me découvre de nouvelles passions. À la base, je l'avais mis dans... mon salon, vous savez, à côté de ma vitrine, j'ai un genre de mini table, vraiment une table d'appoint, et j'avais posé dessus, mais je me dis qu'il aura quand même moins de soleil qu'ici, et je pense que le fait qu'elle fleurisse est peut-être dû aussi au soleil. Alors, mais c'est vrai qu'à côté de la vitrine, en soi, il aura la lumière de la vitrine. Donc j'ai hésité à le laisser dans ma cuisine, et c'est vrai que ce vase irait très très bien dans ma cuisine, parce qu'il y a très peu de couleurs dans ma cuisine. La cuisine, je trouve que ça va parce qu'elle est très simple, etc. Très blanche, mais c'est ce que j'aime. Donc, est-ce que je laisserai pas cet élément de déco dans ma cuisine quand même? Ça pourrait faire du bien à ma cuisine. Un peu de couleur, un peu de chaleur. Et surtout que, bah, du coup, la bouture du bégonia était dans la cuisine. Et bah, on peut lui dire que, on peut dire que ça lui a réussi. Il y a un plateau, un genre de petit plateau en bois, comme une planche à découper. C'est pas vraiment une planche à découper. Qui est un peu bancal et j'ai un peu peur pour le vase. Le vase, pour ceux qui se demanderaient, bien évidemment, c'est Bouchara de la nouvelle collection. Il est magnifique. Et puis où j'en étais tout à l'heure dans mes explications, je vous ai parlé que je faisais de l'arrosage. Je vous ai montré ma Oya, que j'avais des tripes parce que je voulais faire un traitement. Ah oui, et je suis revenue à un moment, j'arrosais ma Monstera taille constellation et je me dis, c'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai pas eu énormément de feuilles avec elle. Elle est très très lente à pousser. Il faudrait peut-être que j'aille voir les racines. Et en fait, il y avait une racine donc, comme ça qui dépassait du pot en dessous. Je me suis dit, je vais la rempoter et je pense que je vais même la passer en pont. Du coup, ensuite, j'ai trouvé une autre Monstera, mais cette fois-ci, là, une de mes trois variegata que je vais rempoter, que je vais mettre en pot. Et lui, je sais que lui, il a des trips, normalement. Toutes les plantes ont des trips. Je vais aller les mettre dans ma salle de bain, les asperger de produits. Et les boutures ont plutôt bien raciné. Là, il y a un bon début de racine, mais je trouve que c'est encore un peu fragile. Je vais continuer d'arroser mes plantes. Et en espérant ne pas trouver de plantes à rempoter entre deux, parce que chaque fois c'est un truc de fou, je trouve des plantes à rempoter. D'ailleurs, sur Le Bon Coin, j'ai commandé, enfin pas encore, mais je discute avec la dame, parce qu'il faut qu'elle me recrée une annonce, etc. pour que ce soit bien clair de chaque côté, pour, autant pour elle que pour moi. Mais j'ai trouvé une bouture d'une plante que je cherche depuis tellement longtemps. En fait, une fois, par hasard, j'étais tombée sur une photo Insta d'une Saint-Polia. Mais une Saint-Polia, mais magnifique, comme je n'ai jamais vu. Et pourtant, je ne suis pas tellement attirée par les Saint-Polia. Mais c'est vrai qu'il y en a, elles ont des fleurs très très jolies. Rose, bleu, violet. Et c'est vraiment mes couleurs, c'est ce que j'aime. Et une fois, je ne sais plus le nom, mais les feuilles... les fleurs, les feuilles n'étaient pas vertes foncées mais elles avaient du rose et il y a une autre variété avec du blanc dessus, comme si en fait elle était variegata quoi, peut-être qu'elle est variegata d'ailleurs. Et en fait ça fait plus d'un an et demi que j'avais voulu acheter cette plante, sauf qu'à chaque fois sur les sites, bah, quand j'arrive c'est sold out. Les toutes petites coûtent assez cher, enfin assez cher, ça dépend pour qui. Mais clairement, j'ai pas envie de mettre ce prix-là dans une Saint-Polia. Et là, j'ai trouvé une dame qui vend une baby plante à 3 euros. Non, comme quoi, des fois, il vaut mieux attendre que de payer une plante, une blinde, juste parce que c'est la mode. Enfin, moi, c'était pas du tout la mode, mais parce que j'avais vu ça par hasard sur Insta. Et j'étais tombée vraiment amoureuse de cette plante. En plus, bah du coup, elle était rose, donc on se demande pourquoi.
Et de temps en temps, c'est vrai que je regardais, mais après, je m'étais dit bon. Et puis, j'en ai jamais trouvé en jardinerie. Et puis, sur le site de plantes, bah, à chaque fois, il n'y en avait pas. Et là, je sais pas pourquoi. J'étais sur le bon coin dans mes recommandations plantes. Parce qu'en fonction de ce que vous regardez, bah, ils vous font des recommandations. Bien sûr, ils sont malins. Et j'avais ça. D'ailleurs, je vais mettre pause à cette vidéo et je vais voir si elle m'a créé l'annonce. Ça fait déjà 15 minutes que je parle, il va falloir que je me calme. Et je vais continuer mon arrosage et ensuite on se retrouve après pour empoter mes monstera. Voilà la Monstera taille constellation qu'on va rempoter. Je vais vous poser directement comme ça parce que je voulais mettre en fait directement par terre pour faire mon rempotage parce que c'est plus facile pour moi pour nettoyer après, sachant qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de douleur donc je fais au plus simple.